Je vous ai préparé deux présentations. Je ne sais pas très bien dans quel ordre commencer. Un, c'est... Là, je suis plus dans ma zone de confort, la conscience humaine. Et deux, une présentation que je donne parfois parce qu'on me demande sur ce que je pense de l'intelligence artificielle. Donc là, je suis très intéressé par vos retours. Je sais pas combien de... dans cet ordre-là. Au niveau du temps, on a la salle jusqu'à 16h. Donc, c'est bien d'avoir une période de questions. Oui. Mais voilà, donc ma zone de confort, c'est la conscience humaine. On a parlé de Giulio Tononi, ben ensemble, on a édité un livre qui s'intéresse à la neurologie de la conscience. Et il y a un livre de vulgarisation, Sheldon Jacob, Les états limites de conscience, ainsi pris en cerveau, qui raconte, et il y a un peu sur l'intelligence artificielle aussi, où pour moi, pour être très bref et un peu provocateur, évidemment il est important de définir c'est quoi intelligence, hein. Même c'est quoi artificiel, mais je trouve que l'intelligence artificielle, si elle est vraiment intelligente, ben, quelque part est-ce qu'elle ne devrait pas être justement consciente, et est-ce qu'on peut parler d'une conscience artificielle comme certains font? Ben, pour moi non, comme simple médecin qui est confronté à ces êtres humains, mais comme on disait, qui s'intéresse aussi à la conscience chez l'animal. Je pense que là, notre ignorance, elle est juste telle qu'il faut être très, très prudent. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je ne vais pas... On vient de commencer. Et puis, quand on parle donc de la conscience, pas mal de philosophes ici autour de la table, je pense que c'est difficile parce qu'on n'est pas d'accord sur ce que c'est la conscience. Je pense que c'est un des grands mystères, comme l'origine de la matière, comment elle s'organise dans le vivant et comment ça devient ou pas conscient, ou en absence d'une définition qui est acceptée par tous, et je pense que ça illustre juste notre ignorance, mais comment est-ce qu'on fait comme clinicien quand on dit que quelqu'un est inconscient? Et donc là, je vais survoler, mais là, je pense, plus pour discuter que pour réfléchir ensemble, mais la conscience qui est tellement difficile à définir, et où il faut, je pense, d'un point de vue scientifique, pas trop d'arrogance. Hein. Je suis un chercheur pur et dur, donc je pense qu'il faut confronter nos théories, nos hypothèses avec des observations. Hein. Et c'est pour ça que je n'ai pas fait la philosophie, je vous l'ai dit. L'expérimentation, mais ce domaine qui historiquement était le domaine de la religion, de la philosophie, et puis ces philosophes qui sont devenus des scientifiques qui faisaient des expérimentations, eh bien c'est quelque chose qu'il faut qu'on mesure. Alors comment le faire chez l'être humain, hein, si je veux savoir si Martin il est conscient, si on n'est déjà pas d'accord sur ce que c'est la conscience, comment est-ce que je vais faire? Eh bien on va réduire cette complexité à deux dimensions. Donc tout d'abord Martin, si je peux, hein, parce que dans un sens de recherche, il faut demander le consentement éclairé. Et donc tout d'abord il faut vérifier que Martin il est bien éveillé, d'accord? Moi je suis fils de paysan et donc j'aime bien des définitions pieds sur terre. La conscience c'est ce qu'on perd tous les soirs quand on s'endort, d'accord? Et donc peut-être aussi, bon, on n'est pas très nombreux donc ça va être difficile pour vous de vous endormir, je vais vous réveiller, mais la conscience c'est ce que vous perdez quand vous passez dans un sommeil profond, hein. Et là, déjà, on a une exception qui est le sommeil paradoxal. Il y a quelque chose de paradoxal qui se passe, c'est que vous avez l'air endormi, inconscient, et quand même, en REM sleep, rapid eye movement, vous êtes en train d'avoir cette activité onérique, cette perception subjective réelle pour vous, et tellement difficile pour moi comme observateur de la lire. Et donc ça, c'est une problématique importante, que cette conscience, elle est subjective, première personne, et nous, comme examinateurs cliniques ou scientifiques, il nous faut des mesures et on va regarder le comportement. Et donc le premier comportement, c'est des signes d'éveil. Donc on revient vers notre cobaye favori,
Martin, il a les yeux ouverts. Si il s'endort, les yeux vont se fermer. C'est ce qu'on voit non seulement dans le sommeil, mais aussi dans le coma ou dans le coma pharmacologique et l'anesthésie. C'est des patients qui sont plus réveillables, même quand on les stimule. D'accord ? Donc ça, c'est tout simple. Conscience, deux axes. Un, c'est l'éveil, arousal, mesuré cliniquement par l'ouverture des yeux. D'accord ? Et si Martin, il s'endort, je vais le réveiller jusqu'à aller pincer son doigt. C'est ce qu'on fait chez les personnes dans le coma et jamais ils vont ouvrir les yeux. Première dimension. La deuxième, et ça c'est quelque chose qui est bien défini par mon philosophe favori, mais ça je ne suis pas très gentil avec les philosophes. Alors je fais référence à Jean-Claude Van Damme. Vous connaissez Jean-Claude Van Damme, qui je pense est le philosophe le plus intelligent quand il parle de être aware. Hein. Être aware, c'est pas très gentil. Hein. Ça réveille toujours la salle. Mais c'est cette petite voix que vous avez dans votre tête, hein, cette conscience de soi. Il n'y a pas vraiment de mot en français pour être aware. Hein. Awareness, c'est aussi être conscience de. Et là, on va diviser conscience, éveil et conscience de awareness, conscience de votre environnement et de vous-même. Et on vient de définir le sommeil, le coma, l'anesthésie, et puis il y a eu cet artefact de la médecine moderne qui est après les années 50 où il y a l'invention du respirateur artificiel. C'était une révolution prédite par aucun philosophe. Hein. On avait une nouvelle machine qui était le départ des soins intensifs, de toute la réflexion sur l'acharnement thérapeutique et la société qui va redéfinir la mort sur des critères de cerveau. Et donc ça c'est pour moi incroyablement important. C'est un médecin danois qui va inventer cette machine et qui va vraiment être une révolution. Et on a maintenant deux manières de mourir. On a déjà difficile de définir la vie, donc comment est-ce qu'on fait pour définir la mort? Mais on connaît la mort, c'est quand on respire plus, quand le corps ne va plus et quand le cerveau ne marche plus. C'est les trois fonctions vitales. Si un foire, les autres suivent, sauf là où vous avez un patient qui n'a plus de cerveau, il a une mort cérébrale, mais la machine fait maintenant qu'il respire et la circulation reste. Et donc, vous avez quelqu'un qui a un corps qui bat, qui est chaud, qui respire par cette machine, et vous dites qu'il est mort. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment est important à être très clair là-dessus. Et puis, il y a des personnes qui, après une blessure très grave, un coma, ne vont pas vers la mort cérébrale, mais vont vers ce qu'on a appelé à l'époque l'état végétatif persistant. C'est un terme sur lequel je me suis beaucoup et encore rebellé, et on a maintenant, avec l'Académie européenne, proposé un terme plus neutre, parce que végétatif, c'est pas très sympa, hein, qu'on parle des personnes à des plantes. Donc, on parle d'un éveil non répondant. Parce que c'est ça qu'on voit, c'est des personnes qui, après le coma, où ils vont jamais ouvrir les yeux, ils ouvrent les yeux. Donc, comme Martin, ils sont là, les yeux grands ouverts, ils respirent, ils bougent, mais ils sont, on dit, pas conscients. Ce fameux état végétatif, c'est très très particulier. On étudie ça depuis plus de 20 ans, on est confronté à ça cliniquement, c'est très très bizarre. Et donc, cette notion d'éveil non répondant, pourquoi non répondant? Parce que c'est ça notre vrai test de la conscience. On vient de poser la question, est-ce que je peux dire quelque chose sur la conscience de Martin? C'est difficile, je ne sais pas ce qu'il pense en ce moment, mais je vois qu'il est éveillé, c'est déjà bon. Et puis, si je veux savoir s'il est aware, je vais poser une question. Martin, bouge ton bras gauche. Voilà, super. Et ça, c'est tout bête, c'est le test de la conscience. Vous imaginez, c'est le même test que mes collègues dans l'ancienne Égypte utilisaient déjà. Et c'est clair qu'il a des limites. Si Martin ne répond pas, est-ce que j'ai vraiment prouvé qu'il est inconscient? Bien sûr que non. Il y a une série de problèmes avec ce test. Dites-moi, quelles sont les situations où Martin peut quand même être conscient et il ne passe pas le test? S'il a perdu son ennui. Voilà, je vais l'écrire. D'autres problèmes? Locked-in syndrome. Voilà. S'il est paralysé, hein, si son cerveau dit bouge, bouge, mais après un accident, il y a une blessure au niveau des nerfs, de la moelle, du tronc cérébral, et ça c'est le locked-in syndrome. C'est des personnes qui étaient dans le coma. Classiquement, c'est une lésion au niveau du tronc cérébral qui va couper tous les fils moteurs qui connectent le cerveau avec les muscles, et donc le cerveau, il est un cerveau isolé, conscient, mais
contrôle plus les muscles. Et donc ça, c'est très important parce que notre quantification de la conscience, elle est biaisée, elle va faire des inférences basées sur un comportement. Que ça soit l'ouverture des yeux pour l'éveil ou réponse à la commande pour notre test de la conscience. Il y a encore d'autres problèmes avec ce test ? Si son langage, c'est pas le langage... Tout à fait. Moi, je suis flamand, donc si je le vois dans mon hôpital, je parle flamand, il ne va pas répondre, et c'est un problème. Il y a aussi l'aphasie, hein, c'est quand vous avez une blessure dans le réseau du langage, ben, vous ne comprenez plus le langage, et évidemment, ce n'est pas pour ça que vous êtes inconscient. Vous pouvez toujours avoir mal, par exemple, vous pouvez toujours apprécier la musique, le chocolat belge, et donc c'est un problème. Donc, dans la neurologie, il y a d'autres exemples où on peut avoir cette dissociation, où les personnes sont éveillées avec des comportements, mais où on dit qu'ils sont inconscients parce qu'ils ne répondent pas à la commande. C'est par exemple quand vous avez un somnambule. Un somnambule, il ne répond pas et il bouge. Enfin, très difficile aussi de savoir ce qui se passe dans sa tête. Et puis, en épilepsie, il y a des crises d'absence où on est absent. Quelques secondes. On ne répond pas à la commande. Ou même des crises plus complexes, qu'on appelle justement des crises partielles complexes, où vous avez une activité qui d'ailleurs parfois donne cause à des énormes procès. Vous allez par exemple tuer votre partenaire et vous dites bah, c'était une crise d'épilepsie, c'était pas loin. Et donc cette notion, est-ce que je suis acteur conscient, responsable, ou est-ce que c'était la maladie qui a fait que... Et donc c'est des personnes qui peuvent rouler en voiture un peu, ou faire un vélo, ou parfois faire des actes en crise d'épilepsie, pas de réponse à la commande, mais des comportements. Et donc là, le défi, c'est de définir qu'est-ce qui est un mouvement volontaire, on parlait de self-directed, là, et qu'est-ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui est réflexe, instinctif, etc. Et une des grandes révolutions dans mon domaine, c'était la reconnaissance que la conscience, évidemment, ce n'est pas tout ou rien. On a tendance à dire qu'il est conscient, il n'est pas conscient. Et évidemment, c'est faux. Ce n'est pas noir-blanc, c'est une vision très binaire. On peut être plus ou moins éveillé, plus ou moins conscient. Et donc ça, ça a amené à une nouvelle entité qui est l'état de conscience minimal. Et ça, pour nous, c'est vraiment, vraiment difficile. C'est des personnes, je reprends Martin, qui, si je demande... bouge le bras, il va le faire. Et puis je reviens, après quelques heures, il ne va plus le faire. Et donc, je suis devant quelqu'un qui parfois est un peu conscient, mais avec lequel je ne peux par définition pas communiquer. Donc, ce n'est pas comme le locked-in syndrome, on ne l'a pas dit, mais le locked-in, il a des mouvements des yeux qui contrôlent. Et donc là, on communique par des petits mouvements des yeux. Ici, ce ne sera pas possible. On ne peut pas établir un code, et donc c'est extrêmement difficile. D'accord ? Et puis, il y a l'étape en dessous qui est l'état de conscience qu'on a défini moins. Et ça, c'est des personnes qui ont des comportements où on dit que ce n'est pas des réflexes, mais ils ne répondent pas à la commande, c'est pour ça qu'ils sont état de conscience minimal moins. Par exemple, Martin, aux soins intensifs, il y a ton partenaire qui vient et tu fais un grand sourire. Quand c'est moins, tu ne fais rien. C'est uniquement avec cette personne, on ne peut pas dire que c'est un réflexe, mais c'est tout ce qu'on a. Okay? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. Et qui est énormément difficile. Ou, Martin, tu me suis des yeux. Pour nous, c'est un premier signe de conscience. Ou, tu orientes à la douleur. Donc là, on a des mouvements où on dit que ce n'est pas des réflexes. Donc, par exemple, je vais pincer le doigt, tu vas me repousser. Mais c'est tout ce qu'on a. Et donc ça, vraiment, c'est très, très difficile. Et on essaye d'avancer dans ce domaine-là. Locked-in syndrome, je vous ai déjà défini, on l'a mentionné. Là, il y a une lecture que je vous recommande, c'est le locked-in le plus connu, c'est Jean-Dominique Bauby qui a écrit Le scaphandre et le papillon. Le scaphandre et le papillon, ce n'est pas un gros livre parce qu'il a écrit avec un œil, quelqu'un dictait l'alphabet et chaque fois que c'était sa lettre. Vous retrouvez aussi la référence. Je vais laisser le livre chez toi, Martin. Donc tu vas te sentir moralement obligé de le lire. Tu vas raconter. Voilà. Si ce n'est pas clair ou si vous avez des questions, vous me dites. Hein. Ou sinon, on prend les questions à la fin. Je vais juste dire un peu pour nous. Et ça, c'est là, je me sens à l'aise. Après, beaucoup moins. Donc voilà, conscience, wakefulness, awareness, et quand vous endormissez, et puis
en pathologie, ben c'est le coma, puis certains passent par éveil non répondant, dit végétatif à l'époque, et puis ils vont passer par cet état de conscience, il faudrait peut-être dire plutôt pas de conscience minimale, mais de réponse minimale, parce que finalement c'est ça qu'on fait, et le locked-in syndrome. Et puis ce qu'on a proposé, c'est que ces deuxièmes composantes, hein, awareness, mais là aussi il y en a deux. Et dans le cerveau, je pense que c'est une des contributions de l'équipe, c'est de dire qu'il y a deux réseaux de la conscience, en fait, en anglais, deux réseaux de ce awareness, internal awareness and external awareness. External awareness, c'est tout ce qui passe par vos sens, ce que vous voyez maintenant, ce que vous entendez maintenant. Donc ça, vous trouvez toutes les références sur notre site et je peux les faire parvenir si ça vous intéresse, mais je pense que c'est intéressant de dire il y a une conscience sensorielle qui dépend d'un réseau spécifique qui est différent de votre conscience, si on veut, de soi, mais c'est très difficile. Je préfère de parler de internal awareness dans le sens où c'est cette petite voix qui vous parle justement, hein, qui vous permet d'avoir de l'imagination mentale, de planifier indépendamment des stimuli extérieurs. Et donc ces deux types de awareness, c'est clair, external sensory, perceptual, et puis internal, ce qui est très développé chez l'humain, mais pas uniquement, c'est notre force, et puis c'est aussi notre faiblesse quelque part, parce que ça va nous faire ruminer, ça va nous faire paniquer, ça ne nous permet pas de s'endormir le soir, etc. Et ça, je vais parler un peu, parce que samedi, il y a la conférence émergence, je ne sais pas si quelqu'un y va, mais là, on va parler de la méditation, et donc ce réseau de la conscience intérieure, ben, il est important dans la méditation, etc. Donc ces deux réseaux, d'ailleurs, je vous ai, on parle d'artificiel, mais je vous ai amené un cerveau artificiel, qui est un cerveau très particulier, je ne sais pas si vous le reconnaissez. Non. C'est le cerveau de Mathieu Ricard. Je vais le montrer demain, samedi. Donc, externe, c'est à l'extérieur, frontal, devant, temporoparietal, des deux hémisphères. D'un point de vue neuroscientifique, chaque hémisphère a sa conscience et il y a le dominant, le gauche, qui peut l'exprimer. Et donc ça, c'était, je pense, bien documenté, y compris ici à Montréal, vous avez quand même une très très bonne track record en neurologie, quand on va par exemple endormir un hémisphère ou quand on va couper les fibres qui connectent les deux hémisphères. Hein, il y a maintenant raison de penser qu'il y a ces deux réseaux de la conscience et que chaque hémisphère en a un. C'est redondant. D'accord ? Et donc on a démontré aussi, on a non seulement les rythmes circadiens que vous connaissez, on est réveillé, on s'est endormi, mais aussi ces deux réseaux et ces deux types de conscience vont alterner. D'accord ? Il y a des moments où vous êtes absorbé dans vos idées comme philosophe. Et vous n'entendez pas ce qui se passe autour de vous. Il y a des moments où vous avez mal à vos dents, votre voisin fait un bruit, et là, vous ne pouvez pas vous mettre dedans. Donc c'est l'un ou l'autre. Et c'est ce qu'on a démontré au niveau comportemental, hein, avec les psychologues de l'équipe, et au niveau neuro-imagerie aussi. Ces deux réseaux, ils s'alternent. Et d'ailleurs, dans des circonstances où le cerveau n'est pas, on ne vous demande rien, les deux vont alterner, comme on va voir avec les études en neuro fonctionnelle. Donc on a conscience, il faut un cerveau. Alors nous on utilise beaucoup le PET scan, c'était historiquement la première machine qui permettait de voir dans le cerveau son activité. On a eu la Réo X et les scanners et puis l'IRM qui fait des photos du cerveau, mais on aimerait savoir est-ce que ça marche. Donc ça c'est le PET scan qui voit est-ce que ça marche, parce que le cerveau c'est l'organe qui consomme le plus d'énergie de tout votre corps, et donc on injecte du sucre radioactif et on voit ce qui se passe. Donc ça c'est votre cerveau normalement maintenant, hein, tout rouge, 100%. Ça c'est la mort cérébrale, hein. Donc pas de cerveau, pas de conscience, c'est le signe de la boîte vide. On a uniquement la peau qui contourne le crâne, qui consomme encore un peu de sucre, d'accord. Ça c'est vous en sommeil, diminution massive, globale. Vous en sommeil paradoxal, c'est proche de la normale. On vous donne des anesthésiants jusqu'à ce que vous ne répondez plus à la commande inconscient, ben, ça diminue. On arrête le médicament, ben, vous revenez conscient. Et donc là, on a essayé de répondre dans les années 90, est-ce que la conscience,
serait un phénomène qui dépend de l'ensemble de l'activité cérébrale. Beaucoup disaient que la conscience, elle est partout. Et notre hypothèse, c'est qu'il y a un réseau, et on a, à travers les patients, pu démontrer qu'en effet, quand vous êtes dans le coma ou en éveil non répondant, bivégétatif, diminution massive, mais quand vous récupérez, ce n'est pas tout le cerveau qui récupère. Autrement dit, vous n'avez pas besoin de tout votre cerveau pour être conscient. D'accord ? Ici, ça ne répond pas à 100%. Globalement, il n'y a pas des énormes différences, mais c'est une différence régionale dans le réseau de la conscience qui sera out quand vous êtes dans le coma ou en, à l'époque encore, persistent vegetative state, quand vous êtes en sommeil profond, quand vous êtes en anesthésie, et quand vous récupérez, ben, ce réseau-là va récupérer. Ça va ? Et donc, il y a une série d'études, ça, je vous ai parlé, on met les personnes dans l'IRMF, on leur demande rien, sauf que tous les X, ils entendent un bruit, et puis ils disent, ben, j'étais plus external ou internal, et on voit que quand c'est l'un, c'est pas l'autre. Donc ils sont anticorrèlent, d'accord ? Quand je suis plus external, du moins, et donc ils vont comme ça. Et le signal aussi en IRMF va changer avec cette même fréquence de 0.05 Hz, c'est-à-dire tous les 20 secondes, vous switchez de l'un à l'autre. Ça va. Évidemment, vous pouvez modifier, parfois vous êtes tellement dans votre truc que vous êtes... comme parfois vous êtes juste plus attiré par votre mal ou votre... Ça va. Alors on a testé cette hypothèse avec plein de paradigmes, beaucoup en anesthésie, ça c'est juste une étude qui montre que ce réseau-là diminue sa connectivité quand vous êtes en sommeil profond. Ça c'est pour dire que on n'entend pas avec évidemment ses oreilles ou son cortex auditif, c'est des slave systems, ça. C'est, vous en avez besoin, c'est nécessaire mais pas suffisant. Donc, comme vous ne voyez pas avec vos yeux, c'est nécessaire, si on les enlève, vous ne voyez plus, mais là où ça se passe, c'est dans ce réseau de la conscience. Le cortex visuel, il est important comme votre rétine, mais c'est pour nous un slave system. On travaille beaucoup avec l'hypnose, maintenant on compare l'hypnose à la méditation, donc ça c'est très puissant. Donc là vous êtes dans votre bulle et on voit que ce external network est broken down. Donc vous êtes moins sensible à votre environnement, donc le chirurgien peut travailler et vous êtes en train de penser à vos vacances. Donc ça c'est très impressionnant. À l'hôpital, on a plus de 10 000 patients qui ont une opération. On enlève le sein, on enlève la thyroïde. C'est très, très impressionnant. Les gens, ils sont conscients sur la table. Okay. Alors, on a parlé des différentes techniques d'imagerie. On a évidemment aussi un organe qui est électrique et donc on peut mesurer avec les EEG. Ça, c'est les EEG haute densité. Donc, vous voyez un patient en soins intensifs avec 250 électrodes sur sa tête, on lui présente des bruits. Et donc ça, c'est une illustration aussi de Artificial Intelligence and les algorithmes qui permettent après de donner un sens à ce signal. Donc vous avez 250 capteurs, un signal à la milliseconde qui est pour l'œil humain difficile à donner un sens à cela. Et donc ici, c'est... Dynamic Causal Modeling, donc c'est une modélisation de cette activité qui va permettre d'étudier la connectivité ou aussi la directionnalité. Et donc il se trouve dans ce papier que pour être conscient, il faut des connexions, ça c'est les slave systems, les aires auditives, ça c'est higher order, le consciousness awareness network là. Et donc il faut apparemment ce top-down feedback loop pour être conscient du bruit. Et ça vous l'avez uniquement quand vous êtes conscient, état de conscience minimale, pas dans le coma, pas chez les patients dits végétatifs. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on développe avec aussi des classificateurs qui vont aider à séparer ces deux groupes et aider le clinicien à dire le patient n'est pas conscient. Pour venir un peu dans votre domaine de l'intelligence artificielle qu'on utilise avec différents types de classificateurs, où dans l'équipe, on est une quarantaine, la moitié, c'est des cliniciens qui voient les patients. Donc, des médecins comme moi-même, des psychologues, des kinés, et puis l'autre moitié, c'est des ingénieurs, informaticiens, statisticiens, etc., qui donnent
ces calculs compliqués. On a travaillé avec Tononi, qui a une des rares théories sur la conscience, qui dit, pour être conscient, il faut que l'information soit intégrée. C'est Information Integration Theory. Et puis on peut définir c'est quoi l'information d'un point de vue mathématique, c'est quoi l'intégration. Et alors il y a un chercheur à Milan qui a construit un test empirique qui est TMS et EG. Et donc là on va perturber le cerveau avec un aimant et puis mesurer l'effet sur le cerveau avec l'EG, ce qui est très très difficile à faire techniquement. Et puis on va appliquer à nouveau des calculs qui vont essayer de quantifier comment cette information et ce changement d'information est intégré ou pas. Et on a démontré à Liège que quand vous êtes dans un sommeil profond anesthésié, eh bien, le signal sera très différent. On peut mettre un chiffre qu'on appelait le Perturbational Complexity Index, ça c'est un peu ambitieux, c'est-à-dire la conscience, on peut le réduire à un chiffre. Et si vous êtes en sommeil, si vous êtes anesthésié, si vous êtes en coma ou non répondant végétatif, le chiffre sera en dessous de 30%. Et donc le système, le cerveau, n'est plus capable de générer la conscience. Et jusqu'à présent, ça s'est confirmé. Donc on utilise ces tests au bord du lit. Et à nouveau, là, les algorithmes, les ordinateurs nous sont fort utiles pour un signal très très complexe soit analysé et passe par différents types de machine learning pour à nouveau séparer des groupes et nous aider au niveau du diagnostic, un diagnostic qui est difficile. On a démontré, et ça c'était difficile à publier, que les médecins se trompent souvent. 4 fois sur 10, quand on parle d'état végétatif à l'époque, en fait le patient n'était pas en état végétatif. Alors au niveau éthique, évidemment, c'est une catastrophe. Vous dites, il ne sent rien et on va le traiter ainsi, y compris pour les décisions de fin de vie, etc. Là, on a un problème. Donc c'est un papier très très difficile à publier parce que les médecins n'aiment pas. Évidemment, on parle de leur diagnostic. Depuis lors, on a donc proposé qu'on ne va plus comparer des patients à des légumes, même si on aime beaucoup les légumes ici, hein, j'ai compris. Et on parle maintenant des veilleurs répondants. Aussi parce que les études ont montré que certains de ces patients donc, étaient conscients, non seulement au niveau comportemental, ce qui était la première étude, mais aussi avec ces différents tests d'imagerie. Ça, c'est le test de tennis. C'est un test qu'on a développé avec l'Université de Cambridge, où on fait un peu la même chose. Donc la question, c'est est-ce que Martin est conscient ? Ben, je peux lui demander de bouger le bras, mais il y a peut-être des problèmes. Et je peux alors faire la même chose, mais dans cette machine, l'IRM fonctionnelle. Et donc là, je vais demander à Martin, ici on a choisi le tennis parce que ça active beaucoup de votre cortex moteur. Et donc, on a eu un premier papier dans Science, et puis ça a été très très discuté aussi par les philosophes. Hein. Et donc, on a continué à faire ça, hein, pour prouver que ça fait tort. Et donc, le premier patient avec lequel, non seulement on pouvait montrer que le patient n'était pas végétatif, mais en plus, comprenait et pouvait communiquer à travers cette technique, c'était à Liège, quelqu'un qui nous était envoyé par l'étranger avec l'étiquette végétatif, on le met dans la machine, on dit imagine-toi que je joue au tennis, boum, on voit que ça s'active. Donc il entend, il comprend, il fait ce qu'on lui demande et puis on dit bah, écoute, si tu veux dire oui, tu joues au tennis, si tu veux dire non, tu fais une tâche d'imagerie mentale, tu cherches ton chemin à la maison. Et donc on pose des questions et l'ordinateur à nouveau va classer. La probabilité qu'il ait oui ou non, et donc là l'ordinateur nous dit, bah, il dit oui, il dit non, il dit non, il dit oui, il dit non, et il dit plus rien. Et donc ça c'était incroyable, parce que des personnes considérées végétatives, on les met dans la machine et ils peuvent répondre à des questions, beaucoup beaucoup de conséquences éthiques. Est-ce que c'était un opt-in syndrome? Et donc un opt-in syndrome, classiquement, il a une blessure au niveau du tronc cérébral, son cerveau est intact. C'est aussi un diagnostic difficile. Et pour des raisons neuroanatomiques, il communique par les yeux. Ici, c'est des personnes qui ont un cerveau qui est complètement atteint. Oui, il faudrait un cerveau normal, mais ici, ça c'est l'eau dans le cerveau. Il n'y a presque plus de cerveau là. Normalement, ça c'est le liquide cérébrochilien, c'est tout petit. Et là, il n'y a presque plus de cerveau. Quand vous voyez, quand, comme médecin, vous voyez ça, vous dites, ben oui, c'est foutu là. Et quand même,
Il y en a, mais c'est très rare, il faut aussi être très prudent, où il y a beaucoup plus qui se passe. Mais bon, c'est compliqué au niveau technique, donc on a développé ce qu'on appelle les Brain Computer Interface, c'est faire la même chose, mais avec les EEG. Et donc voilà, ça c'est vraiment un domaine de recherche très très actif, avec des ingénieurs qui vont essayer à nouveau d'optimiser la mesure, mais aussi le moyen d'analyse avec à nouveau l'intelligence artificielle qui va optimiser ces algorithmes qui nous aident à classifier et donne une voix à des personnes qui ne peuvent plus communiquer. Voilà, donc maintenant vous êtes des experts, vous connaissez le coma, l'événement répondant, l'état de conscience minimal moins, l'état de conscience minimal plus, réponse à la commande, récupération de la communication, ça c'est très important d'un point de vue éthique parce que ça donne le droit d'autodétermination aux patients. En Belgique, on a une loi sur l'euthanasie. Est-ce que vous n'avez pas... L'aide à mourir. Et donc, mais je ne connais pas, la loi permet aux patients... D'être assistés. Ouais. Pour mettre fin à les conditions. Ok. Mais il faut que la question qu'il y ait certains critères qui soient respectés. Deux demandes dans un état de conscience parfaite. C'est ça. Un témoin. C'est ça. Répéter la demande devant un témoin. Voilà. Et donc ça, c'est important, je pense. Ça a été aussi difficile. En France, ça l'est toujours. Hein. La religion joue un grand rôle. Mais je pense que c'est quand même important qu'en bioéthique, où il y a les quatre piliers, hein, l'autonomie est quand même numéro un. C'est moi qui, comme patient informé, compétent, décide. Et puis, primum non nos, faites pas mal, faites du bien, et justice, faites un maximum de bien pour un maximum de gens. Mais l'autonomie est importante et nécessite donc une communication fonctionnelle. Et là, au niveau juridique aussi, il va falloir préparer le terrain où ces interfaces à l'ordinateur maintenant vont donner une voix à certains de ces patients. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il va falloir faire confiance à la mesure, aux algorithmes d'intelligence artificielle qui les décodent, et puis faire confiance aussi aux patients. Est-ce qu'il est compétent au niveau neuropsychologique, hein? Ça, c'est comme les enfants, sont considérés comme incompétents, comme les handicapés mentaux, etc. Ben, ici, ils sont dans ce cas-là, donc il y a pas mal de challenges éthiques qu'on peut discuter. Alors, il y a un problème avec tous ces fancy imagine playing tennis paradigms là, c'est que, comme tu disais là tantôt, il faut comprendre le langage. Même si je fais ça et que vous êtes aphasique, que vous avez une blessure au niveau du réseau du langage, ce qui sera le cas, c'est pour ça que je montre ceci, chez les personnes qui sont justement en état de conscience minimale, moins, vous voyez l'hémisphère gauche ici est bleu, ça veut dire qu'elle est atteinte. Et donc, c'est là où est normalement la perception du langage, et donc on est embêté même avec ces brain computer interfaces super compliqués. C'est pour ça qu'on investit beaucoup dans un test qui ne dépend même plus du langage, et donc rien n'est plus simple que de mettre Martin dans la machine et de pousser simplement sur le bouton enregistrer. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je commence à connaître un peu Martin, il pense tout le temps. L'être humain pense tout le temps, on ne peut pas s'en empêcher. Et donc on peut voir ça, c'est ce fameux réseau de la conscience intérieure qui est à l'intérieur justement, c'est aussi le default mode network qui overlap avec le internal awareness network. Et donc on a démontré que c'est bien utile à faire, quand vous êtes en mort cérébrale déjà il n'y a rien, mais dès que vous avez un cerveau vivant, il y a déjà un cerveau qui communique, qui se parle en fait. Et donc c'est pour ça que dans le coma, ben, c'est pas zéro, il y a une connectivité. Et puis, à nous de définir à partir de quand est-ce que c'est conscient, et là c'est pas binaire, la conscience, c'est non linéaire, mais c'est quand même quelque chose qui est qui émerge progressivement. Et à nouveau, on utilise des algorithmes AI pour classer ces données qui sont des time series très très compliquées, dans des centaines de milliers de voxels là, où vous mesurez l'activité. Et donc voilà, ça c'est mon job, je suis super activé et excité par ces images-là qui font les couvertures des journaux, c'est super sexy maintenant, ça ne l'était pas à l'époque, mais maintenant c'est beaucoup plus facile pour nous. Et donc un exemple d'un patient où on pensait qu'il était inconscient, on le met dans l'image et on voit ses taches jaunes et on voit la conscience, on est excité.
Mais évidemment, il faut être prudent, hein, parce que parfois c'est Pinocchio, parfois c'est pas le cerveau, c'est des artefacts, c'est des algorithmes erronés, etc. Donc là, c'est tout un défi de voilà, travailler dans un domaine où on n'a pas de gold standard. Hein. Si on fait ces tests, ben, si le patient meurt, je ne peux plus voir cette conscience. C'est différent de faire des recherches sur une tumeur. Ben je peux la regarder sur mon microscope, je la vois. Et je peux valider mon test ici, la conscience, c'est difficile. Je vais cross-valider avec quoi et donc notre approche de cross-valider, faire tous ces différents études, que ce soit le cerveau blessé, pathologique ou endormi en anesthésie, ou les études hypnose, méditation, etc. Encore un autre exemple de classification, donc, au début des simples support vector machines qui vont sur des corps qui commencent à grandir et à grandir, nous dire ben, le patient il est bleu conscient ou rouge inconscient, et de donc aider le clinicien avec évidemment des conséquences, hein, c'est des décisions de vie et de mort. Et aussi la difficulté que on a toujours raison. Si le classificateur dit le patient va mourir, j'arrête la machine, ben oui, il va mourir. Donc cette auto-fulfilling prophecy est vraiment dangereuse. Bon, voilà, on a ces outils aussi, non seulement au niveau du diagnostic, mais du pronostic. Donc ça, c'est un papier où on met tout ça ensemble. La valeur ajoutée du test de tennis, du PET scan, et donc toujours cette erreur diagnostique qu'on n'aime pas, qui reste entre 30 et 40%. Et la valeur ajoutée de ces machines qui regardent qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à nouveau à peu près chez un tiers. Alors, au niveau du traitement, ça c'est un vieux papier où on montre qu'est-ce qui se passe chez les personnes qui récupèrent. Il y a des reconnexions qui se font dans des boucles thermocorticales, donc aussi dans le Cambridge Declaration, là on met beaucoup l'accent sur ben, qu'est-ce qu'on peut dire sur notre conscience, notre neuroanatomie, et puis sur l'animal, ben, évidemment le primate il a la même boucle au niveau thalamocortical, et puis on peut regarder ben, qu'est-ce qui se passe chez l'oiseau. Ben, l'oiseau il n'a pas vraiment un cortex, mais il a quand même des comportements compliqués. Il y avait un gars là qui s'intéresse à la pieuvre, et c'est fascinant ce que ces animaux peuvent apprendre. Et donc, évidemment, ça nous aide de comprendre quelle est la structure anatomique qui soutient ces phénomènes non seulement d'éveil mais aussi de conscience. Chez l'être humain, ça semble être ces boucles thalamocorticales, comme on a pu démontrer ici avec ces flèches qui vont de la matière grise vers ça c'est le thalamus, et on a pu identifier un noyau qui par après a été stimulé par des électrodes. Donc ça c'était l'équipe à New York, papier qui a été publié dans Nature 7 ans après, où le premier patient récupère conscience avec deux électrodes dans son cerveau, on met du courant et commence avec tous les challenges éthiques, etc. Et nous, notre expertise, ça a été beaucoup la stimulation, ça l'est toujours, non-invasive, donc ça aussi c'est très haute-ménant, à l'époque c'est toujours quand même un challenge. On met deux électrodes sur la tête, on met 20 minutes un petit courant, et ça améliore votre fonctionnement cérébral. Vous pouvez même sur YouTube trouver des étudiants qui font ça pour mieux étudier. Ça reste pas prouvé. Mais chez le cerveau blessé, on a des études contrôlées qu'on a publiées depuis des années qui montrent qu'il y a un effet. Et aussi tous les challenges éthiques. Donc, premier papier qu'on a fait a été fort discuté aussi dans les médias parce que c'est un patient qui commençait à communiquer. Et puis, comme prévu dans le protocole, on arrête la stimulation et donc il ne communiquait plus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait c'est... Votre domaine est un domaine aussi qu'on a discuté avec, ben, dans notre domaine, des gars en éthique, Joseph Fintz à New York, Julie Ellis, James Burnett. Et voilà, redéfinir le framework pour essayer de faire ce type de recherche translationnelle et aussi les discussions de fin de vie et tout ce qui va avec, parce qu'évidemment il n'y a pas que le traitement et la fin de vie, il y a aussi la notion de douleur. Donc je disais, moi j'ai commencé ma carrière en étudiant la douleur chez le rat, je suis très content que maintenant je ne fais plus ce type de recherche.
on a beaucoup investi dans la douleur chez l'être humain. Donc quand vous avez mal, c'est tout un réseau qui s'active. Et on a pu démontrer que les personnes en état de conscience minimale, eh bien, elles activent tout le même réseau. Donc ils ne peuvent pas dire j'ai mal, mais quand on regarde les images, très probablement qu'ils ont mal. Et donc là, on a proposé, et ça passe maintenant au niveau des académies européennes et américaines, que systématiquement, il faut donner des antidouleurs. Donc là aussi, il y a une série de conséquences. Alors, tout ça pour essayer, évidemment, d'améliorer la qualité de la vie. C'est pas nécessairement, et là aussi, c'est très souvent binaire. Hein. On est pour le droit de mourir ou le droit à la vie. En fait, pour moi, c'est le droit à une qualité de vie, mais ça aussi, il faut le mesurer. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait, une étude qui a toujours été difficile à publier. Moi, je veux savoir qu'est-ce que c'est d'être en état de conscience minimale, hein, d'être là dans un lit. On ne peut pas parler, on a parfois des perceptions, personne ne sait vraiment quoi. Bon, ça reste encore difficile. Par contre, les doctrines, on peut leur poser la question. Et donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et la majorité dit qu'ils sont heureux. Donc ça, ça a été très difficile aussi. Après, il y en a qui sont très malheureux. Là aussi, on a posé la question, même si c'était fait en France, sur l'euthanasie. Et donc on a des euthanasies faites chez les personnes doctrines. Et on continue ce volet-là. Expérience de mort imminente, ça vous intéresse moins. Mais enfin, on s'y intéresse. C'est aussi un domaine pour sa carrière. C'est pas top. Alors, en conclusion, ben voilà, on a ces deux réseaux de la conscience utilisés en termes de diagnostic pronostic thérapeutique. Et voilà ce qu'on fait et ce qui est notre core business. Et voilà l'équipe qui fait les recherches. Maintenant, j'ai quelques slides sur l'intelligence artificielle, mais ça, pour vous, ça va être child's play, je pense. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous voulez peut-être bon. Sur le... Ouais. On peut peut-être faire un tour rapide de questions. Moi, je me demandais sur le... pour les fœtus, par exemple, est-ce qu'il y a des... Des questions liées à l'avortement, est-ce qu'on identifie à quel âge, il y a de la conscience. Ouais, ouais. Donc, ah mais je ne l'ai pas mis, flûte. J'ai fait un TEDx sur ça, ah, okay. avec mon petit fiston. Donc ça, c'est ce que je viens de vous raconter, donc ça, on connaît. On reconnaît aussi ce qu'on ne connaît pas, ce qui est beaucoup chez ces patients. Ça, c'est mon petit Louis, et on a fait un TEDx ensemble qui répond à cette question. Et je pense que c'est la même question quand, comme neurologue, je vois ces patients. Le problème, c'est que je veux savoir ce qu'ils ressentent et ils ne peuvent pas me le communiquer. Mm-hmm. Mais c'est la même chose chez le petit nouveau-né, mm-hmm. C'est la même chose chez les patients déments qu'on a aussi traités de végétatifs en phase terminale et les études à nouveau ont démontré qu'il y a plus qui se passe dans le cerveau qu'on imagine. Et c'est la même chose chez l'animal. Qui ne peut pas communiquer non plus, et on lit de son comportement, et hystériquement, je pense qu'on a été très très arrogant. Et donc, toute cette difficulté de séparer un réflexe ou quelque chose d'instinctif de quelque chose de volontaire. Et ça, ça donne des grandes discussions avec mon épouse, que vous voyez là. Sur qu'est-ce qui est réflexe, qu'est-ce qui est volontaire et comment le mesurer. Et donc, le comportement, c'est un, et je pense qu'on peut avancer dans ce domaine-là. Et puis, évidemment, c'est technique en neuroimagerie qui nous permet de qu'est-ce qui s'allume, comment est-ce que ça évolue. Et donc, le petit Louis, parce qu'on est dans différents réseaux, on a un réseau européen de financement qui essaye de répondre à la question de la conscience. Et il y a des experts à Tübingen qui ont un magnetoencephalography, un MEG, qui permet de mesurer les perturbations magnétiques induites par l'activité électrique. Et donc il y en a deux au monde, la meilleure c'est quand même là-bas, où mon épouse enceinte, ben, elle met son ventre dans la machine, et puis on présente des flashs à travers le ventre, et on voit que le cerveau du petit s'allume. In utero. On présente des sons et on voit que
son cerveau s'active. Et donc ça, c'est fascinant. À nouveau, la conscience, c'est pas tout ou rien. Hein. Mais s'active à partir de quel mois de la grossesse, à peu près? Donc ici, c'était fin de grossesse. Hein. Donc là, on est à 38 semaines. Et c'est probablement des aires primaires, parce que les aires associatives, là, le réseau dit de la conscience, il va se développer plus tard. Et ça, ma femme n'a pas voulu, mais on aurait pu aussi le faire en IRM fonctionnel, et ça a été fait, où la maman chante une chanson, par exemple, enfin, et on le présente par les speakers, et on voit le cortex auditif probablement primaire qui s'allume in utero à partir de troisième trimestre. Et donc voilà, c'est tout un débat à partir de quand, l'avortement, etc. Mais voilà, je pense que le seul moyen d'avancer, c'est de faire ce genre d'études et accepter que c'est pas tout ou rien et que évidemment la naissance est un moment où il y a beaucoup qui se passe. Il y a, ça c'est pas mon domaine d'expertise, mais des auteurs qui disent que in utero, ils sont tellement dans un bain hormonal qu'ils sont comme endormis. Et que lors de la naissance, ce moment d'énorme stress, c'est là quand même où l'éveil et donc la conscience connaît un autre lieu. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a pas mal de thèses et qu'il faut un peu plus de mesures. Pardon, je voulais juste montrer ça parce que t'as une question. On fait un tour de questions maintenant ou... François, oui. C'est toujours bien éveillé. Ouais. Comme ça, sans rien connaître très bien de toute la neuroscience, je demandais, les gens qui arrivent à avoir un comportement surhumain dans les conditions particulières, dans quel état est-ce qu'ils sont? Est-ce que c'est capturable selon vous? Ça c'est difficile, hein. Je ne connais pas, il faudrait voir qu'est-ce qui a été fait. Mais je pense que ce pouvoir de notre mental est quand même sous-estimé. Et que là, on a par exemple, pendant la méditation, on se souvient de ces photos de ces moines bouddhistes qui se mettent en feu. C'est incroyablement douloureux et ils ne bougent pas d'un poil. Et quand on voit en hypnose ce pouvoir, c'est incroyable d'être juste sur la table en train de penser à ses vacances et puis on est en train de couper là au niveau de la gorge, et ça c'est à portée de tout le monde, il ne faut pas être un grand bouddhiste. Et donc oui, on a ces moments où je ne sais pas, il faut sauver son enfant, où il faut on connaît une force, mais il faudrait voir, je ne connais pas la littérature là-dessus, c'est pas facile non plus de le reproduire dans un laboratoire, etc. Mais je pense que les études chez les moines bouddhistes nous permettent quand même d'avoir là des athlètes de l'esprit et de comment ils arrivent à le contrôler. Et donc là, je dois dire que Mathieu Ricard, il m'a vraiment, vraiment impressionné. On vient de publier l'étude qu'on a fait justement avec les GTMS. Je vous ai dit, il y avait ce fameux index là et c'est extrêmement robuste. On ne peut pas changer ça, c'est comme prendre un marteau, on fait tac, 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 et puis Et lui, il arrivait à le changer dans les deux directions. Il se met en méditation, compassion, et la complexité du signal mesuré augmente, et il se met dans un sort de zombie mode, comme ça, et la complexité diminue. Donc ça, jamais on a pu observer, et donc, même si c'est un sujet, on a pu directement le publier, parce que c'était tellement... Donc ça me fait un peu penser à ça, mais là on s'intéresse aussi par exemple à la transe, qui est à nouveau un état où il faut plus d'études, hein, parce que c'est tous des domaines où, comme l'hypnose, au début l'hypnose, on ne pouvait pas publier ça. Maintenant c'est devenu accepted par la community, mais voilà, c'est... Pour la transe, je m'attends à nouveau à beaucoup beaucoup de résistance, mais ça c'est des études en cours où je constate, c'est très très impressionnant, parce que c'est la transe chamanique, on l'appelait la transe cognitive, aussi ouvre des...
C'est ça, je posais ces questions pour essayer de voir quels sont les aspects qui peuvent être identifiés pour montrer combien le fossé qu'il y a entre l'intelligence artificielle et le... Ah oui, mais ça, j'allais continuer. Oui, parce que, je ne sais pas... Moi, j'ai trouvé très intéressant beaucoup d'aspects. D'abord, l'idée que la conscience est un continuum avec différents niveaux. Puis cette idée aussi des réseaux alternatifs ne fonctionne pas en même temps, ça, j'ai jamais entendu parler de ça, je trouve ça vraiment surprenant et très très intéressant. Mais j'aimerais vous expliquer un petit peu plus là, un passage que je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Le fameux test EEG-TMS qui permet de mesurer le degré de conscience avec un degré de 30%, là. Comment vous arrivez à ce chiffre de 30%? Ça mesure quoi exactement? Ah, ça, je ne sais pas ce que ça mesure exactement. Mais comment on obtient ça? Donc, on va faire la TMS, où on stimule une partie de la matière grise. Hein, c'est la TMS stéréotaxique, donc on va stimuler toujours le même spot. En même temps, on mesure l'activité électrique. Et l'idée, c'est que cette perturbation nous permet de voir comment ce système réagit et comment cette information... est ou pas intégrée, et on va simplement capturer la complexité avec des algorithmes qui sont très similaires à ce que vous faites quand vous zippez un fichier, par exemple, pour l'envoyer avec email. Et c'est le même calcul mathématique de voir est-ce qu'on peut comprimer ça. S'il est facilement comprimable, ben, quelque part, la richesse, la complexité est très faible. Et donc ce 30% reflète cette partie-là du signal. Et alors on a simplement observé que si ça aurait pu être 40%, c'est les données qui ont montré que toutes les personnes volontaires, éveillées, étudiées avaient un chiffre comme ça, dès que c'était le sommeil profond, les anesthésiés ou les personnes dans le coma, c'était en dessous, et donc le cut-off était à 0,3. Est-ce qu'on peut traduire en disant que c'est le degré d'activité cérébrale mesuré à partir d'un logiciel de programmation? Est-ce que je traduis correctement? C'est une perturbation? Oui. Ben, ici, donc, c'est juste un chiffre qui jusqu'à présent semble être utile pour définir si un système, ici le cerveau humain, est capable d'avoir conscience ou pas. Après, je pense qu'il faut... Mais ça capte l'ensemble de tout ce qu'on vient de discuter, conscience de soi, de l'environnement, éveil, dans une seule dimension. Et donc, c'est extrêmement simpliste, c'est très empirique. On a juste constaté que ce test-là, analysé de telle manière, donne des chiffres qui sont, jusqu'à présent, sans overlap, et donc, si c'est vrai, utile en clinique. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Pour le moment, c'est une norme empirique. Tout à fait. Hein? Ouais. Initialement, c'était basé, mais la science est faite. Voilà, on a cette théorie Information Integration, mais ça va dans d'autres théories aussi. Il y a Bernard Bass, par exemple, Global Workspace Theory, et cette connectivité thalamocorticale. Là, c'est ça. C'est pas une théorie vraiment qui a défini tout, c'est vraiment empirique. C'est vraiment un degré d'activité cérébrale mesuré à partir de l'interprétation d'un algorithme. Oui, tout à fait. Okay. Exactement. C'est exactement ça. Une petite précision, j'ai pas compris ce que c'est le sommeil paradoxal. Et puis l'autre truc, quand vous avez dit que le réveil du neuro de l'état végétatif, éveil non répondant. Non répondant, je m'excuse. ne remonte plus, donc la plasticité du cerveau est perdue complètement. Donc, première question, le sommeil paradoxal, c'est quand vous êtes dans le sommeil, mais que vous rêvez. Parce que le sommeil, c'est pas un grand bloc monolithique, vous avez le stade 1, 2, 3, 4, et puis le sommeil paradoxal où vous avez ces rêves qui sont incroyables. Et donc, paradoxal, ça c'est donné par les Français. En anglais, c'est rapid eye movement sleep, parce qu'on voit qu'il y a des petits mouvements des yeux. Et donc, c'est quand vous rêvez. Et deux, la plasticité, ça, c'est une question super importante, où on essaye de mieux comprendre pourquoi certains patients récupèrent quand même et d'autres pas.
Donc cette plasticité, ben, c'est ou bien la région autour de la blessure qui peut prendre des fonctions, ou bien l'autre hémisphère qui reprend certaines fonctions. Mais ça, c'est vraiment tout un domaine de recherche. En fonction de la cause, j'en ai pas beaucoup parlé, hein. Il y a le trauma, il y a les hémorragies, il y a des arrêts cardiaques avec des anoxies, donc des manques d'oxygène, il y a des intoxications. Il y a vraiment là, en fonction de la cause de la blessure, que on peut répondre à votre question et trouver des marqueurs de plasticité, c'est-à-dire potentiel de récupération. On a un peu de temps C'est vraiment une question très naïve sur les deux dimensions de la conscience, awareness et wakefulness. J'ai mal à distinguer les deux, probablement que c'est plus facile pour les anglophones. L'éveil, on connaît. L'éveil, c'est là, vous êtes éveillé. Oui, mais l'éveil était, ou plutôt s'endormir, c'est une manière de perdre conscience. Mais par exemple, un cas qui est intéressant, c'est celui des patients qui sont en état d'éveil non répondant, donc parce que eux sont donc, tout à fait éveillés, mais pas du tout, voilà. Mais comment on sait qu'ils sont, enfin, quel est le critère pour dire qu'ils sont éveillés? C'est pas simplement qu'ils ont les yeux ouverts. Si. On a des bêtes médecins, c'est vraiment. D'accord. Ouais. Ça, d'accord. Mais être éveillé, c'est pas simplement avoir les yeux ouverts, parce qu'on voit que c'est une histoire de degrés. Tout à fait. C'est pas qu'ils ont les yeux plus tout à ouverts. Après, c'est une. Mais pourtant, pour nous, c'est ce qu'on fait. Et donc, c'est vraiment quand vous êtes dans une narcose, une anesthésie profonde, ben vous avez les yeux fermés. Et c'est ça que l'anesthésiste il regarde. Si vous ouvrez les yeux alors que le chirurgien il dit oh, là je vais donner un peu plus. C'est vraiment utile. Et le comateux, il ne va jamais ouvrir les yeux. Et donc, il n'y a pas cette capacité, donc ça, j'en ai pas beaucoup parlé, mais il y a un système qui active le cerveau, qui est dans le tronc cérébral, et puis qui passe par les thalamis pour bombarder vos neurones. Donc ça, c'est la neuroanatomie de l'éveil. Donc, pour vous endormir, ben, on va enlever, et c'est fini. Et s'il y a une blessure là, ben, vous êtes plus éveillable. Et puis il y a tout ce qui est awareness avec ces deux réseaux qui se passent au-dessus. Est-ce qu'on a droit plus qu'une question? Peut-être bien, j'avance, si vous allez passer, vous allez vraiment pouvoir prendre revanche. Ça pour moi c'est le défi. Et c'est quelque chose que vous intéressez aussi. Qu'est-ce qui est un mouvement, une décision consciente, voulue, et qu'est-ce qui est réflexe automatique? Instinctif. C'est un problème chez le chien, c'est un problème chez tous les animaux, les nouveau-nés, les patients post-coma. Et donc, les manières d'y répondre, et de vraiment, pour moi, et ça rejoint un peu ce que je vais dire sur l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a, des émotions, il y a des causes qui nous font agir, qu'un robot ne connaît pas. Et donc, quand on voit un sourire comme ça, qui est, ça c'est mon grand fiston et le petit fiston, mais là, il y a quelque chose qui a un sens, qui est, et puis il y a le simulé, hein, ça c'est, on est clairement dans l'artificiel. Et je pense que l'intelligence artificielle est exactement ça. Elle est artificielle comme le sourire de nos politiciens. Quoi. Elle fait semblant. Elle nous fait croire, même très très bien, qu'il y a ci ou ça, mais c'est... bon, ça c'est le fameux TEDx, là, et le petit cobaye et les mesures électriques, mais je ne vais pas aller plus dans le détail. Et là, ça c'est ce que je présente, et donc là j'ai besoin de vos commentaires, où je dis, ben, le petit Louis, qui est le quatrième, mais peu importe, tous nos enfants, mais... Qu'est-ce qui reste pour ces enfants dans ce monde où les ordinateurs sont là et on dit, mais je trouve que c'est malheureux d'avoir eu ce terme intelligence artificielle parce que je trouve que ils sont cons, ces ordinateurs. Ils nous aident évidemment, ça c'est, on travaille dans l'Human Brain Project, donc ça c'est un énorme flagship là, qui permet, l'idée c'est de modéliser le cerveau humain.
Donc on est un partenaire là-dedans, les ingénieurs vont sur les meilleurs ordinateurs qu'on a maintenant, là, Ulix c'est un hangar plein de bêtes machines. Bêtes machines afin qu'ils nous aident quand même, et donc ça c'est quand on a des grosses données, eh bien ils vont donner un sens à cela avec ces algorithmes qui sont utiles, et c'est ça qu'on essaye de faire évidemment pour aider les cliniciens, c'est de faire... donc ça c'est une image que vous n'avez pas l'habitude de voir non plus, c'est la matière blanche. Donc là je vous montre la matière grise, c'est ces milliards de neurones, et ça c'est ces milliers de milliards de connexions. C'est ça qui fait qu'un cerveau est puissant, c'est que ces cellules peuvent communiquer. Donc c'est ça aussi que dans votre cerveau, qu'est-ce qui est différent pour une cellule de votre cerveau quand on la compare à n'importe quelle autre cellule, c'est qu'elle est connectée. Elle a des milliers de connexions. Et donc ça, c'est les grandes autoroutes. C'est quand... ça qu'ils appellent la matière glia. Non. La glie, c'est un petit peu les cellules grand-mères qui vont assurer que les neurones reçoivent de la bonne nourriture. Ils font plein d'autres choses au niveau vasculaire, etc. Mais il y a les neurones qui sont des cellules, et puis ils ont des branches qui sont les axones, les dendrites, et ça c'est leur force, parce que ça leur permet de connecter l'un avec l'autre, et ça c'est ce qu'on voit. C'est ces grandes fibres de connexion qui est la matière blanche. Blanche parce qu'il y a de la graisse, et donc c'est blanc. La graisse qui est nécessaire, de la myéline, pour que ça conduise vite. Et donc là, vous avez un cerveau. Les couleurs nous montrent l'orientation. Donc le rouge, c'est ce qui va de gauche à droite, ça connecte les deux hémisphères. Le bleu va vers les muscles, et le vert va de avant en arrière. Et donc, quand on a des blessures à des carrefours critiques, ben ici, je ne connais pas à Montréal, mais il va y avoir des carrefours. S'il y a un accident, ben, il n'y a plus de circulation, c'est la catastrophe. Et puis il y en a d'autres, vous avez un accident, il n'y a rien qui se passe. Mais c'est la même chose au niveau du cerveau. Il y a des gros croisements, des critical hubs. Ça, c'est touché, c'est foutu. Et donc, on va à nouveau utiliser ces algorithmes pour décoder ça et avoir une information, non seulement diagnostique, mais pronostique pour ces patients. Donc ça, c'est vraiment utilisé en routine pour dire on arrête le traitement parce qu'il y a trop de connexions critiques abîmées par les ordinateurs. Ça, on a discuté déjà. Hein, ça, c'est le Deep Blue 97. Moi, je parle belge. Hein, et voilà, le petit Louis qui se dit, ben, est-ce que je vais apprendre aux échecs? Ben, je ne vais jamais gagner des machines. Impossible. Géopardy, hein, même chose. Il peut apprendre toutes les questions. Vous avez un ordi connecté. Il vous bat parce qu'il y a Google, il y a Wikipédia, il y a Google Translate. Il y a, tout qui est évidemment plus puissant que notre petite... tête, et pourtant quand Google veut savoir si vous êtes un humain ou un robot, il dit are you a robot? Check, I'm not a robot. C'est quand même un peu con, hein. Et s'il veut être plus sûr, qu'est-ce qu'il demande? Select all the images that match this one. Mais ça, le petit Louis, il le fait, hein. Et ça, c'est des photos que Google a choisies parce que les ordinateurs n'y arrivent pas, hein. Et donc c'est quand même un peu con. Et puis vous demandez à l'ordinateur, ben maintenant montre-moi la salade, ben, il va le faire finalement, mais ça prend énormément de temps. Okay? Donc voilà, moi je trouve que cette intelligence artificielle, elle est artificielle, oui, intelligente, non. Après, on définit intelligent, mais je pense que le terme est... On travaille avec Toyota, parce que Toyota, ils font des voitures, mais il faut aussi des robots. Et donc ils ont aussi un labo de neurosciences, on a des collaborations, donc je suis pas mal au Japon, et ils ont, je vous avais peut-être vu déjà, tout un orchestre là. Et bon, moi je ne suis pas un musicien, je trouvais qu'ils jouaient bien, mais évidemment ils jouent tous les soirs la même chose, on va pas... Et donc il va y avoir une différence qui est incomparable entre nos enfants qui apprennent à jouer de la musique ou n'importe quel art, et ce robot qui déjà n'a jamais décidé « je vais apprendre quoi que ce soit » et qui non plus connaît la frustration, le plaisir d'avancer comme leur dernier robot. Ça, vous pouvez voir sur YouTube. Donc là, c'est Artificial Intelligence par excellence. Il y a plein de capteurs...
feedback proprioceptif et il met le panier et vous pouvez le mettre n'importe où sur le terrain et il a gagné des meilleurs joueurs humains. Mais c'est boring à mort, quoi, parce qu'il ne rate jamais. Et puis évidemment, il ne connaît pas le plaisir s'il met son panier ou s'il ne le met pas comparé à mes enfants qui jouent aussi au basket. On a dans notre hôpital aussi des robots, je trouve ça triste. En penser, c'est chouette, je n'ai pas peur de l'intelligence artificielle, mais je trouve quand même que un futur où on va être soigné par des robots, ben, je n'espère pas être là, quoi. Et donc pour moi le défi, ben, ce n'est pas le défi, c'est de pas devenir un robot ou d'être soigné par des robots. Au Japon d'ailleurs aussi, c'est pas mal utilisé dans les maisons de soins, hein. C'est triste, hein, je trouve. Bon, là, ça c'est un Dubaï, hein, c'est un policier. J'ai pris la photo d'internet, je ne les ai pas vus quand j'étais là-bas, mais ils semblent exister. Des policiers qui vont interagir avec vous. De plus en plus, on va voir ça. Maintenant, il y a aux aéroports, hein, on parle et l'ordinateur va décoder vos émotions. Enfin, ça. Voilà. Je pense que le défi, c'est de stimuler ce qui nous rend humains et ce côté irrationnel, émotionnel. Là, il y a encore pas mal à faire parce qu'à l'école, on parle beaucoup trop peu, je pense, de cette intelligence émotionnelle et on demande encore à apprendre par cœur et à pas bien gérer ses émotions. Donc ça, c'est pour moi uniquement science fiction et dans les films. Bon, ça c'est Ex Machina, je ne sais pas si vous avez vu. Mais ça n'a rien à voir avec cette conscience de soi. Et ça c'est une illustration, oui, je ne sais pas si on voit, mais le pauvre Louis a cette petite croix sur son front. Ça, vous connaissez ces tests, hein, papier dans Science, là, de Gallup, la question, est-ce que l'animal se reconnaît dans le miroir? On va mettre une croix. Et donc le chien ne passe pas, le chat ne passe pas. Louis n'a pas passé non plus d'ailleurs là. C'était difficile aussi. Mais non, il passe, je l'ai bien expliqué. Et donc voilà, je pense qu'entre le cerveau et en tout cas ce qu'on a maintenant, même si c'est des super ordinateurs, c'est toujours du bête in silico. Il y a des ordinateurs aussi qui vont plus morpher le cerveau humain, mais ça reste pour moi un monde de différence entre quelque chose qui est vivant et des programmes qui tournent, même s'ils peuvent se changer, même s'ils peuvent donner l'illusion d'intelligence, l'un n'a rien à voir avec l'autre. On utilise beaucoup MATLAB, je ne sais pas si vous... donc ça c'est un programme de calcul qui est très très puissant. Mais c'est rigolo, ben évidemment c'est programmé par des humains, mais quand vous posez des questions, il vous répond genre « why ?», il va vous répondre, question philosophique, une réponse philosophique assez rigolote. Mais donc voilà, évidemment c'est super programme, on demande ben, « live ben, », c'est pas défini, « beauty »,« love »,« compassion », là il a l'honnêteté de dire « je ne connais pas comment ». Et donc je pense que c'est là. Oui, comment? Mais c'est là qu'il faut investir, je pense que... voilà, et donc voilà, ce que je vais montrer samedi, c'est notre super cobaye et son cerveau, et donc ce défi d'être dans un monde où l'homme, la machine et le vivant doivent vivre ensemble et que ces technologies nous aident, mais tous les défis éthiques qui sont les vôtres. Voilà ce que je présente classiquement sur l'intelligence artificielle, et là, c'est moi qui attends. En tout cas, merci. Merci. J'ai une question qui me brûle les lèvres. C'est... on est d'accord pour dire que l'intelligence artificielle... aujourd'hui, il n'y a pas de conscience artificielle et on en est probablement très loin, mais est-ce qu'en théorie, si on est matérialiste, le cerveau, c'est de la matière, est-ce que c'est juste impossible, ça devrait être possible de recréer de la vie, de la conscience, de façon purement artificielle, ou est-ce qu'il y a
une propriété magique dans le cerveau, dans le vivant, en biologie. Mais là, je cite mon autre philosophe préféré, c'est James Bond. Quand il dit « never say never », je pense que c'est juste pour le moment, avec nos connaissances actuelles, tant qu'on n'a vraiment pas compris la conscience, je pense que c'est pas possible de répondre à la question. Et même la vie, on fait semblant de la comprendre. Et Watson and Crick, Double Helix, prix Nobel. Mais on ne peut pas réduire la vie à l'ADN. Et puis comme toujours en science, on pensait que maintenant on a compris quoi. On a compris le code génétique de la vie. On va coder tout notre génome et on va... Et bien, qu'est-ce qu'on voit? C'est encore plus compliqué qu'on pensait. Et donc, il n'y a pas de définition. C'est moins un hot topic, mais définir la vie, ça reste très très difficile. Hein? Et la conscience... Pour moi, on dépend des technologies. Et donc, pour ça que je fais la comparaison avec la définition de la mort cérébrale qui n'était pas anticipée, c'est soudainement quelque chose qui nous permet d'aller plus loin. Comme Galilée, ben, il avait son télescope, maintenant on a ses machines. Mais on n'a pas les machines qu'on veut. Moi, je veux une machine qui mesure à la milliseconde près ce qui se passe dans ces... milliards de synapses dans cette soupe chimique de neurotransmetteurs, et on est très loin de ça. Hein. Moi, j'utilise ces sexy images-là, dirais fonctionnelles, mais c'est très très indirect, c'est très... Et donc, matérialiste, je n'aime pas ce terme, parce que moi, soi-disant, on me traite de matérialiste, là, quand je... Mais... Après, ça devient philosophique, c'est quoi la matière? Et puis on a string theory, on a... Il y a juste quelque chose qui nous entoure, qu'on essaye de comprendre, et la conscience vraiment nous échappe. C'est clair que le cerveau est important, mais je pense aussi que comme chercheur, il faut, et on n'est parfois pas assez, vraiment ouvert. Hein? Et donc, bah, quand on prend l'exemple de la physique quantique, qui est souvent aussi utilisée pour dire « Ah oui, ça doit être physique quantique ésotérique, etc. » Mais vraiment, pour la comprendre, je pense que c'est très compliqué, mais au moins c'est evidence-based. Hein. Tout ce qui a été prédit par les théories a été, même si ça nous échappe pas mal là, au niveau rationnel. Et donc, magique, mais je pense que la science réduit la magie, parce que je vais encore... Mais en tout cas, le côté magique, où on était juste des sorcières, et cette question pour le vivant, où on avait cette théorie de l'élan vital, où à Pasteur, c'est beaucoup... et il a démontré qu'il n'y a pas de force vitale, là, que c'était des germes qui... Maintenant, pour la conscience... Je pense que le seul moyen d'avancer, c'est d'essayer de comprendre. Certains philosophes disent que c'est trop compliqué, on ne va jamais y arriver. Et ça, je trouve aussi un peu dogmatique, peut-être. Ça l'est, mais pour le savoir, il faut au moins essayer. Donc, après, c'est votre domaine, mais je pense que avec les technologie dont on dispose maintenant et le fonctionnement des ordinateurs, ça n'a rien à voir avec ce côté humain. Présentation sur l'intelligence artificielle, oui. C'est ça. Mais tu peux toujours en parce que j'ai besoin d'Elsa à chercher la table. Ah oui. Et quand on va juste commencer. J'attendais. À donner les réponses. Est-ce que vous ne... Intuitivement, je dirais qu'on a... On va pouvoir recréer la vie avant de pouvoir créer la conscience. Parce que ça, c'est beaucoup plus près du biochimique, biochimie, chimie, physique, maths, enfin, ça, c'est très réducteur, là, mon truc. Je pense qu'il y a pas mal de... Mais c'est moins...
Donc c'est les grandes questions, je pense. Hein. C'est, à un moment, si on réfléchit vraiment à c'est quoi la matière, ça devient très vite très compliqué. La vie, on n'arrive pas à la créer quand même. Hein, on peut chipoter avec l'ADN et faire des trucs super compliqués et super importants, évidemment. Et sur la naissance de la vie, on commence à avoir des hypothèses assez... Mais je pense qu'on fait semblant qu'on l'a pas. Mais c'est toute une question de définition, mais c'est clair que là, on a quand même... Watson et Crick, c'était quand même un milestone, quoi. Et là, on est très très loin. Quand on parle de la conscience, c'est vrai, on n'a pas même d'idée d'un code neuronal de la conscience. C'est aussi notre faute, parce qu'on a considéré que c'était trop compliqué à étudier. Et je pense que c'est aussi notre faute parce qu'on a une vision qui est pour moi fondamentalement fausse de la science et de comment elle est financée. On est dans un hypothesis-driven financement où on s'intéresse qu'aux petites questions, les bêtes questions comme ça. Je prédis ça, et si je ne fais pas ça, je n'ai pas de financement. Mais les grandes idées folles, les vrais paradigm changers, en tout cas en Europe, ils ne sont pas financés. Et donc, c'est dommage. Je crois qu'à un autre côté aussi, comme en Chine, ce qui se fait, ce n'est pas nécessairement communiqué, partagé avec la communauté scientifique, je crois. Donc, il y a peut-être des évolutions, des choses qui sont faites, mais qui ne sont pas commercialisées, mais publicisées. Mais chez moi, ils sont forts pour commercialiser. Ils ont fait un CRISPR, mais... il y avait un truc de CRISPR, je ne connais pas du tout, il y a une mutation pour créer un bébé de sorte qu'il y a génétiquement modifié. Mais on le sait quand même, mais la Chine, oui, c'est compliqué. C'est une mise en technique qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui est une technique pour sélectionner les parties du génome. C'est comme un ciseau génétique. J'avais une question, puis je m'excuse parce que je dois surveiller un examen bientôt. Et là, je voulais simplement vous demander, vu que même dans la société, on voit certains changements au niveau des enfants qui sont plus répondants avec la technologie, on dirait qu'ils mimiquent plus facilement les réactions automatisées, j'ai l'impression. On doit leur apprendre dans certains contextes l'empathie. Et comme des traits spécifiquement humains, qu'on dit qu'ils caractérisent l'humain, et que de plus en plus ils disent, ben, les petits-enfants, on doit leur apprendre l'empathie, si on doit, à ce qu'on avait, ce qu'on prenait pour acquis ou inné auparavant. Et là, c'est pas mon domaine d'expertise, mais je pense que les données ne vont pas dans ce sens-là. Mathieu Ricard dirait qu'il n'est pas d'accord, je pense. C'est plutôt le contraire, qu'on a des choses qu'on perd peut-être quand on grandit, non? Enfin, ça, c'est une grande... C'est pas mon domaine de... Non, je parlais plus sur le mode de vie avec plus les enfants qui ont accès à la... Ah, mais non! Ah oui, pardon, oui, vous avez raison. Oui, mais non, on est toujours excité par ce qui se passe là. Hein. Cette intelligence artificielle, mais bon, quelque part, ça ou une calculette, à l'époque, on était excité par les calculettes, et puis avant, c'était les montres suisses et les... Et on a, ou les centrales téléphoniques, on va toujours comparer hein, avec ce qu'on a, et donc on dit le cerveau c'est comme un ordinateur, hardware, software. Ça reflète juste notre connaissance actuelle des choses, je pense, et puis aussi la peur. Hein. Il y a la télévision, c'était la fin de l'intelligence, ils vont plus lire, ils vont. Ben, la télévision c'est super aussi, on peut regarder des documentaires, on peut s'instruire, internet c'est super, on communique, on sauve des vies avec l'intelligence artificielle. Donc, je pense que le défi, c'est de bien l'utiliser. C'est vrai que ça change, donc, mais ça, à nouveau, c'est pas mon domaine, mais que les enfants, bah, ils ont des temps de réaction beaucoup plus rapides que nous. Ils sont vraiment dedans et ça change notre cerveau, évidemment. C'est une extension de nous. Pas nécessairement négatif, mais ça peut l'être, oui. Si on est dans sa bulle virtuelle, il faudrait à nouveau regarder ce que les études disent, mais je pense qu'il faut des frontières pour qu'on garde notre côté humain, compassion, empathie, et qu'on ne vit pas que dans un monde virtuel. Ça, je trouve
mécanisé. Les élèves sont peut-être trop comme sur dans la sphère de performance, si je ne me trompe pas, ce que vous voulez dire, ils perdent un peu le côté humain, puis le côté mécanique. Mécanisé, je parle des études. Mais ça va beaucoup avoir un focus plus sur le côté rationnel, peut-être des choses mécaniques, je ne sais pas si c'est pas super clair. En fait, pas pour le côté humain, on parle de qu'est-ce qui est émotionnel, mais comment le monde grandit, c'est beaucoup sur la performance. Je parle des études ou des travaux. Bon, ben, ce que je vois, moi, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup poussés pour performer. Donc, je fais référence à une machine qui produit de la productivité et le côté émotionnel est tassé. Il faut, selon moi, il ne faudrait peut-être pas trop aller dans cet angle-là pour que le côté émotionnel soit trop se perdre. C'est un peu ça que... On s'en rejoint un peu, c'est dans le mindset, comme on dit. Et ça, peut-être à l'école, on peut plus avoir un peu d'attention. On a des cours d'activité physique, mais tout ce qui est mental, on pourrait peut-être faire mieux, hein, gérer les émotions, comme on dit, vivre ensemble, communiquer, cette intelligence émotionnelle. Donc ça, on pourrait développer la méditation, un outil qui pourrait être... pleine conscience. Oui, par exemple. Ouais, je pense que c'est plus qu'un buzzword quand même, hein, c'est quand même utile. Et donc des ordinateurs qui méditent, ça, on n'a pas encore. Est-ce qu'il y avait d'autres... J'avais une question très factuelle, mais avant, je voudrais faire un peu le bilan sur votre deuxième philosophe préféré, là, Jim Bob. Never say never. Moi, je suis un joueur d'échecs, je ne suis pas très très bon, mais j'aime beaucoup les échecs. Et quand je joue aux échecs au début des années 90, Kasparov était déjà le champion du monde. Et il avait dit, je pense en 93 ou 94, de mon vivant. Donc, pendant 40-50 ans, jamais un ordinateur va battre un champion du monde. Ça a pris 3 ans. Never say never. Et ce qui est extraordinaire, je ne sais pas si vous êtes familier avec le jeu d'échecs, mais on mesure la performance avec une cote qu'on appelle Elo. Et Kasparov était le premier à s'approcher de 2800. Quand on sent qu'il est un joueur potable, maître international 2300-2400 et champion c'est 2600-700. Kasparov était le premier de l'histoire à s'approcher de 2800. Actuellement, champion du monde à 2832. Puis, les meilleurs ordinateurs présentement sont à 3200. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dépassés, le champion du monde, que le champion du monde regarde les gens qui font et ils ne comprennent pas. Et on fait jouer les logiciels les uns contre les autres. Donc, jusqu'où l'ordinateur peut-il se rendre, on ne le sait pas. Mais ce qui est extraordinaire là-dedans, je me rappelle les arguments que les gens donnaient dans les années 90. Ah, mais l'ordinateur ne battra jamais un champion du monde, parce que pour vous, ça prend de l'intuition. Et on s'est rendu compte que la puissance de calcul peut remplacer l'intuition s'il y a juste une chose telle qu'une intuition, à part la dimension mécanique du calcul. Ils sont juste rapides à faire. Mais ce super ordinateur, on va lui demander autre chose, et il ne faut pas lui demander à jouer au basket, par exemple, comme à celui du basket, il ne faut pas jouer. Et donc cette capacité de l'être humain à s'adapter, à l'animal d'ailleurs, elle est quand même extraordinaire, et là l'ordinateur, et cette créativité, mais je pense que vraiment dans les émotions, c'est là où la motivation, hein, Je ne veux pas avoir l'air trop pessimiste, mais je crois que d'ici 5 ans, il va y avoir des robots basketteurs qui vont battre les meilleurs joueurs. Ah oui. Parce qu'ils ont déjà la capacité de perception, ils ont la capacité de se mouvoir, et ils vont améliorer ça.
Et vous avez le joueur de basket, le robot qui déjà est capable de faire des paniers presque de manière automatique. Donc, c'est très difficile de savoir où ça va s'arrêter. Ça ne sert à rien aussi. Mais j'ai une question très factuelle, je me suis, je reviens. Vous avez testé l'hypnose, vous avez des résultats surprenants. Oui. Est-ce que vous avez testé l'acupuncture? Non. Non. Est-ce qu'il y a des études qui... Oui. Donc là, il y a une littérature là-dessus. C'est, je ne pense pas que c'est magique, hein, donc vous touchez quand même. Après, il y a les niveaux d'explication ici. Hein, donc, moi, je ne suis pas expert dans ce domaine-là. Je sais qu'il y a des études qui montrent qu'il y a des faits. Et je trouve ça très intéressant. La médecine traditionnelle chinoise, par contre, tout ce qu'elle dit est loin d'être evidence-based. Hein, donc là, il y a aussi des histoires quoi, qui sont... mais l'acupuncture, il y a une littérature. L'homéopathie, jusqu'à présent, par contre, ça reste... On pourrait opérer quelqu'un à qui on a, sur lequel on a pratiqué l'acupuncture, comment on le fait pour l'hypnose? Alors, je ne connais pas suffisamment l'acupuncture. À ma connaissance, à nouveau, il faut quand même... Parce que c'est juste... L'acupuncture et l'hypnose, pour moi, c'est quand même différent. Hein, l'hypnose va vraiment jouer avec votre attention. Et après, vous pouvez faire des choses extraordinaires. Il y a des champions, des gens avec plus de talent pour l'un ou pour l'autre. Mais nous, on le fait pour des chirurgies qui sont vraiment bien spécifiques, où on fait une anesthésie locale. Hein. Ils ont un peu de prémédication, ils reçoivent des benzodiazépines, donc ils sont, on ne peut pas juste tout faire. Hein. Et je pense pour l'acupuncture, s'il y a des indications chirurgicales, et je ne connais pas cette littérature-là, ben elle sera à nouveau en fonction de ce qu'on fait précisément. Ça illustre quand même la force du mental, quelque part. Hein. Et on a une difficulté, on parlait de matérialisme, quand on parle de l'esprit et du corps, on a toujours cette vision, ou bien c'est dualiste, ou bien c'est monisme, c'est à nouveau assez binaire. Et on comprend juste pas, hein. Mais qu'il y a un lien entre l'esprit et notre corps et toutes nos maladies et le système immunitaire, ça c'est une réalité. Et je pense qu'on a créé aussi des barrières quand même. Le fait qu'on n'a pas beaucoup avancé dans le domaine de la conscience, c'est simplement parce que c'était tabou. Et aussi c'est mind-body interventions, ben, on les considère un peu comme ésotériques et puis on a décréter qu'il y a la médecine classique et puis alternative, et on crée des murs, des barrières où il n'y en a pas nécessairement. Parce qu'on a quand même une perception subjective qui est là, et les liens sont bien réels, c'est juste que c'est compliqué et qu'on a peut-être à tort considéré que c'était trop compliqué pour étudier ou facile. Une petite blague pour vous. Vous pourrez avoir un troisième philosophe préféré, parler de la force du mental. Il y a un entraîneur de hockey québécois qui est célèbre pour avoir parlé de la dureté du mental. Ok. C'est votre troisième philosophe préféré. J'ai une question. Par rapport, mettons, dans un état méditatif, si je ne me trompe pas, le cerveau il émet des fréquences ou des ondes. Puis c'est relié avec des grandes émotions comme l'amour. Ben, vous parliez de Mathieu Ricard tantôt. Comment on est capable de mesurer ça en tant que tel? Les fréquences émises de ce cerveau-là? Non, mais je pense que il y a différents niveaux quand on parle d'énergie ou de fréquence. Parce que le cerveau, ce qu'on peut mesurer, hein, c'est une activité électrique, parce que ces cellules-là, elles déchargent, même si c'est très très faible, c'est ça qu'on mesure. Et donc quand on met des électrodes sur la tête, on mesure les fréquences. Mais après, je pense que parfois on a une utilisation un peu plus ésotérique, poétique, spirituelle, d'énergie. Et alors on est très vite confus. Mais pour... le neuroscientifique, cette fréquence-là du cerveau, c'est vraiment quelque chose de très concret. Ouais. Et alors, parfois, on a... Et quand on parle de l'amour, c'est difficile. Hein,
Et donc, c'est pas que Mathieu Ricard, il émet là des ondes magiques, en tout cas, c'est particulier, mais on a tous fait. Donc, pour moi, ce défi, c'est vraiment de séparer qu'est-ce qui est qu'on pense comprendre et ce qu'on pense mesurer, et ces types de fréquences et ces types d'énergie, parce que parfois j'entends parler d'énergie cosmique ou de. Et alors on a parfois des confusions sur ces termes-là. Mais mesurer des ondes d'amour ou de compassion, c'est plus. Voilà, oui. L'univers quantique aussi. Mais, ah oui, tout à fait, on en parlait là tantôt. Ben, c'est un mot aussi qui est pas mal abusé, je pense. Enfin, parfois je me dis, c'est expliquer quelque chose qu'on ne comprend pas avec quelque chose d'autre qu'on ne comprend pas, qui est la physique quantique. Il y a une littérature qui essaye de regarder est-ce que ces phénomènes de la physique quantique, qui est quand même evidence-based, s'appliquent en biologie. C'est quand même une autre échelle. Jusqu'à présent, ces études-là ne sont pas convaincantes. Mais là, à nouveau, James Bond, never say never. Mais c'est compliqué, hein, ce qui se passe au plus petit, et puis ces phénomènes biologiques. Donc, tout le défi de pas se perdre dans une sorte de pseudo-science. Et de l'autre côté aussi, je pense, c'est, en tout cas c'est un petit peu le challenge que j'ai personnellement, c'est comme scientifique, où on est hein, matérialiste, parce que bon, il y a quand même un cerveau, et quand ce cerveau il change, ben, ça change tes émotions, ta perception, ta pensée, et c'est important de mieux le comprendre, mais dans ce processus et cet apprentissage qu'on a à nos universités, etc., on perd parfois ce côté d'émerveillement. On a dit deux fois là, je suis juste curieux, et cette curiosité, il faudrait la garder et juste être émerveillé, quoi. Ouais. Donc parfois, ça c'est un challenge. Puis cet émerveillement-là joue sur le cerveau aussi. Oui, mais là, à nouveau, c'est pas facile. Nous, scientifiques, on aime bien définir. Hein, on peut définir ce qu'on mesure, mais l'amour, l'émerveillement, la compassion, mettre des chiffres là-dessus, c'est pas évident. Ouais. Moi, j'avais pardon, vas-y. Vous parlez d'intelligence émotionnelle et en fait, je veux savoir si elle n'est pas liée directement à une question hormonale. À les hormones sont. À des neurotransmetteurs. Mais oui, alors on a quand même une tendance à trop simplifier. Et aussi dans les médias, on a une grande fonction, l'intelligence, où il y a. Et on réduit ça à une petite substance chimique, hein, l'ocytocine c'est l'amour, la dopamine c'est le plaisir, ou telle région c'est un psychopathe, c'est une blessure ici ou là, ou tel ou tel gène, et c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je pense que les termes qu'on... Il y a tellement de dimensions, hein, quand on parle de notre personnel, de notre intelligence émotionnelle par exemple, qu'est-ce qu'on veut dire exactement, c'est quand même pas mal de dimensions, et donc le réduire à l'une ou l'autre hormone me semble être trop simpliste, mais c'est clair que ça joue un grand rôle. Moi, quand j'ai faim, par exemple, ben, ça joue un grand rôle sur mon bien-être, mes réactions, mais, et puis et tous ces orages au niveau hormonal, en fonction du cycle chez la femme, la grossesse, c'est clair que ça joue, hein, et qu'on peut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau mental. Mais je ne ferai pas trop vite telle fonction cognitive ou égale à tel changement. C'est pour moi des réseaux qui sont en permanence en train de changer leurs interactions avec d'autres réseaux et sous influence de toute une série de neurotransmetteurs et d'hormones, que c'est justement compliqué pour le petit chercheur matérialiste réductionniste à sélectionner sa petite question et intervention. Et mais je ne sais pas si je réponds à la question. Parce que, évidemment, on peut gérer les humeurs d'une personne pathologique, ou bipolaire, par exemple, avec des médicaments. Donc, et ça, c'est formidable. En agissant justement sur la dopamine, en réduisant la sécrétion de dopamine, en augmentant la sécrétion de sérotonine. Ouais. Et donc, c'est formidable. Je pense que c'est quand même le fait qu'on ne brûle pas plus nos sorcières, hein, que vous avez fait ici, comme en Europe, vous avez juste
suis le bon exemple, qu'on traitait des épileptiques ou des personnes avec des maladies neurologiques ou psychiatriques comme possessées. Ou... Ça, c'est formidable, qu'on a compris qu'il y a des choses. Après, ça reste difficile dans le sens où on a ce réflexe, on veut voir, on veut tester, c'est formidable. Mais ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ce serait... Par exemple, dans mon métier, moi je voulais être neuropsychiatre, mais ça n'existe plus. Il fallait choisir neurologie ou psychiatrie. Et la psychiatrie, ben, c'est la neurologie qu'on ne comprend pas. Hein. Donc moi, je vois des patients qui ont quelque chose au cerveau qu'on voit. Et ce n'est pas pour ça que quelqu'un qui est bipolaire, qui est schizophrène, qui a une dépression majeure, ben, il a aussi quelque chose, mais c'est juste qu'avec nos outils aujourd'hui, on ne le voit pas. Et donc, avoir découvert des neuroleptiques qui vont aider, des psychoses qui vont changer, ou le Prozac qui change, la sérotonine, c'est formidable, ça suit des hypothèses très simplistes. Hein. On dit, ah, sérotonine, si j'en ai plus, c'est bon, donc je vais inhiber le réuptake. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, on parle de milliers de milliards de synapses, là. Et donc, la sérotonine, ben, là, elle va avoir une autre fonction que là, et on va juste prendre quelque chose par la bouche qui agit partout, et on voit qu'on va un peu mieux, c'est formidable qu'il y a ces médicaments-là, mais on n'a pas compris ce qui se passe au niveau de la synapse, qui est assez rapide, et puis, toi comme patient, qui te sens mieux ou pas, c'est ça le défi, d'avoir un pont entre ces différents niveaux, et il y a des choses qui sont relativement simples, et la recherche sur l'animal a permis de faire une série de choses, mais la dépression c'est compliqué, le rat on a des modèles de dépression, mais c'est un peu compliqué quand même, hein. C'est beaucoup plus subtil quand moi je ne me sens pas bien ce que je ressens que ce que le modèle animal peut nous apprendre, et comment des changements dans l'une ou l'autre structure et toute cette dynamique. Donc voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire. Même si c'est incroyable et on n'apprécie pas assez ces développements qui ont eu lieu, hein, qui aident quand même des gens, hein, des médicaments qui vont jouer avec ces différentes substances. Mais je pense qu'on néglige quand même trop le côté plus difficile qui est ce travail sur soi, de psychothérapie, que ce soit l'hypnose, la méditation. Je le vois aussi à ma consulte, on veut une pilule. Il y a une explication simple. Ah, voilà, je suis comme ça, c'est parce que j'ai pas assez de sérotonine ou trop. Non, ma question était très spécifique. Je voulais savoir si un jour, si on contrôlait véritablement les hormones et les neurotransmetteurs, on pourrait peut-être les incorporer dans les robots pour qu'enfin on ne les accuse plus d'avoir dépourvu d'intelligence émotionnelle. Ok. Mais à nouveau, ces neurotransmetteurs, ils sont juste des modulateurs. Et donc là, on est très 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 loin de donner de la dopamine ou n'importe quoi sur un silicone chips là, hein. Parce que vous voulez des robots qui ont des émotions. Pourquoi pas? Mais pourquoi oui? Ce serait justement fascinant, en plus de créer des machines avec une intelligence hors du commun, de leur donner ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, qui puisse se réjouir de réussir à mettre des paniers. Pourquoi? Là, ça serait tout aussi intéressant. Moi, je crois qu'on devrait maîtriser davantage notre intelligence émotionnelle avant d'en créer une. Ouais. Ça, c'est mon avis à moi. C'est juste comme ça, ça vient de. Mais aussi, le phénomène du placebo, c'est nous. C'est une pilule, on peut remplacer ça par une pilule de sucre. Mais la personne voit vraiment, tu sais, l'auto-guérison, on peut dire. Mais ça, c'est flou, c'est pas dans notre réalité, on peut dire, tu sais, Mais votre question est intéressante, hein. Maintenant, en science, je pense que si on peut, on fait. Donc c'est vrai, la question ne se pose pas tellement. Si on va pouvoir créer des robots émotionnels, ben ça va se faire. Après, il va falloir le gérer. Il y aurait quand même un aspect éthique, c'est que si on crée des robots émotionnels qui peuvent souffrir, on est peut-être en train d'apporter de la souffrance dans l'univers, donc on ferait peut-être bien de se méfier. Mais peut-être aussi de la joie dans l'univers. Alors, peut-être de la joie. Là, peut-être qu'on aurait un devoir d'en produire pour créer du bonheur.
et je garde la parole pour faire mon commentaire et ma question. En tout cas, dans ta présentation, là, tu as vraiment une thèse où tu cherches à dégonfler la notion d'intelligence artificielle. Mais si on se donne une définition pas mal plus modeste de l'intelligence, à savoir, et qui était un peu l'idée d'Alan Turing, à savoir, ben, c'est quelque chose qui simule, comme tu le disais au début, là, qui simule bien ce que ferait une intelligence naturelle, ça peut exister sans du tout la conscience. D'ailleurs, c'est un peu ça le commentaire que je voulais faire. Une analyse que j'aime bien dans Harari, alors dans le deuxième, je pense, dans Homo Deus, qui dit, si on regarde l'histoire de l'évolution, ce qui s'est passé, c'est que... Donc lui distingue vraiment intelligence comme capacité, et puis c'est un peu la définition de l'intelligence qui est en intelligence artificielle, la capacité à réussir un but. Et puis voilà, on regarde ce que le but a été fait. Alors si c'est la capacité à battre un joueur humain aux échecs, il y a des machines qui arrivent à ça. Donc l'intelligence comme capacité à avoir un but, et puis conscience, peut-être qu'il utilise le mot sentience. D'ailleurs, je voudrais savoir si tu fais une distinction entre les deux, si ça fait du sens pour toi. C'est plus un mot anglais. Mais donc conscience ou sentience, et puis intelligence. Dans l'évolution, ça venait en même temps, c'est-à-dire qu'on avait de l'intelligence humaine, animale, qui venait avec la sentience. Et là, ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, c'est que ces deux choses sont découplées, puisqu'on a des entités qui sont intelligentes en un sens étroit, mais qui sont quand même capables de faire certaines tâches pour la racine, mais qui ne sont pas du tout conscientes ou sentientes. Et donc, si on fait clairement dès le départ cette distinction entre intelligence comme capacité à atteindre un but et sentience comme capacité à ressentir, est-ce que là tu serais plus à l'aise de dire l'intelligence artificielle, ça existe, mais puis c'est un truc relativement puissant et modeste en même temps, parce que ça reste des tâches étroites. Mais donc, ouais, j'aimerais t'entendre sur cette distinction possible qu'on peut faire dès le départ entre l'intelligence et l'intelligence, ou est-ce que ça marche pas dans ton paradigme à toi, de faire cette distinction-là? Non, tout dépend comment on définit l'intelligence, en effet. Mais je trouve que c'est quand même utile de se poser la question, une intelligence sans sentience aucune, ou conscience aucune, ou motivation aucune, ou émotion aucune, c'est... Oui, ça atteint un but imposé, mais voilà, intuitivement, ce qu'on veut dire par une action intelligente, prise de décision pour résoudre un problème complexe. Mais donc, prise de décision, ça c'est déjà. Alors, moi je pense quand même que je peux challenger qu'un ordinateur il ne prend aucune décision. Dans le sens où c'est une prise de décision, oui, automatique, inconsciente, réflexe, programmée. Hein. Ouais. Donc cette séparation-là, elle est peut-être, oui, comparable entre quelque chose qui est automatique, en effet, et quelque chose qui est réfléchi, perçu. C'est l'absence de subjectivité, d'appréciation, d'observation. Ouais. Mais il peut y avoir, c'est ça, l'idée, c'est qu'il peut y avoir des prises de décision, en tout cas des points de vue extérieurs à la Turing, du point de vue fonctionnaliste, il y a quelque chose comme une décision qui est prise, et de façon programmée, oui, dans le cas de Deep Blue, dans le cas de AlphaGo, et puis des intelligences artificielles qui fonctionnent avec l'apprentissage profond. C'est moins programmé d'avance, hein, donc il y a vraiment une idée d'autonomie Ça, je veux quand même challenger, parce que je pense qu'il n'a pas d'autonomie dans le sens où il ne peut pas faire autrement. Et c'est ça la différence, mais ça devient très difficile aussi en médecine. Hein, donc, quand on définit un réflexe, là, il y a des volumes entiers qui sont écrits, parce que non, plus qu'on va essayer, plus que... se perd, hein, parce qu'on met des mots sur des choses.
Mais, donc cette notion qu'un réflexe, je vais taper sur ton genou, hein, comme les médecins font, tu fais tac, c'est un réflexe. Mmh. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Et donc quelque chose qui n'est pas réflexe, ben là je peux me mettre debout et te mettre le café dans le visage, etc., ou je peux décider de ne pas le faire. Et un ordinateur, pour moi, il n'a pas cette autonomie-là. Donc le robot qui met ses paniers, tu le mets dans la prise où il est branché sur sa batterie et il fait ses trucs, tu vois. Et je pense que les algorithmes aussi compliqués qu'ils sont, ils n'ont pas d'autonomie dans ce sens-là.